Carrefour de l'Europe sur RFI. Schengen n'est pas mort pour vous. Schengen n'est pas mort et ne doit pas mourir. Mais ça dépend de nous. Si nous ne savons pas développer des politiques des frontières extérieures et un nouveau partenariat avec les pays d'origine de l'immigration, ça sera très difficile de garder notre liberté. Mais sans Schengen, fini Erasmus et fini l'Europe. Parce que l'Europe, c'est avant tout liberté. Et de renoncer à Schengen, ça veut dire renoncer à l'Europe. Et je ne vois pas en quoi renoncer à ma liberté augmenterait ma sécurité. Et si l'Europe n'existait pas, en quelques mots? Ah bah, et ça, c'est une pure hypothèse. L'Europe existe bel et bien, existe depuis longtemps, existe dans sa culture, existe dans ses valeurs fondamentales, existe dans toutes les choses qu'on a en commun et sont beaucoup plus que les différences, existe dans l'espoir des millions de gens en Europe et existe dans les regards des milliards de gens dans le reste du monde. Et un de ces regards, c'est celui du président Obama, qui a dû nous rappeler, à nous les Européens, quelque chose d'extraordinaire que nous avons fait, et a dû nous rappeler, à nous les Européens, les devoirs et la responsabilité de ne pas détruire ces projets extraordinaires, mais de les relancer sur des nouvelles bases. Carrefour de l'Europe, sur RFI.